Salut tout le monde, c'est Maxiatude, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, et aujourd'hui on se retrouve sur Tomb Raider pour l'épisode numéro 13. Qu'est-ce que tu veux? Non, je rigole. Et donc la dernière fois on avait ramené les outils, Alex était mort dans le bateau tout là-bas. Et moi je suis revenu et après on va devoir aller monter jusqu'à là-bas je crois. Ou alors je sais pas où. Pendant que je regarde un peu tout l'endroit. C'est ça notre bateau alors? Ouais. Hop là. Et voilà, hop. Ouais, on a un arc. Je vais aller direct au camp. Enfin, c'est modification de l'arc que j'ai. J'espère que ça va pas changer. Il était classe. Hop. Si je veux accéder à la chambre des rituels du monastère, il faut réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large, mais il faut que j'y arrive. C'est surtout Reyes qu'il ne sera pas facile de persuader. Elle veut rentrer auprès de sa fille, et la mort de Ross l'a bouleversée. Comme nous tous. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam, mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. Ouais. Hop, je peux rien modifier encore. Bah, c'est parti alors. Et hop là. On avait trouvé ça dans le bateau la dernière fois. Vous vous en souvenez plus? Ah. Ouais. C'est pas très... rassurant. Ah putain, je sais même pas où il faut aller là. Enfin, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. J'avais pas vu que c'était une surface comme ça. Wow. D'accord. Ouais, j'aimerais, mais elle veut pas sauter. Voilà. Par contre, le son bug. Je sais pas si vous l'entendez, vous, mais... Je sais pas pourquoi il y a des problèmes en ce moment. Entrer dans la base de recherche. Où est-ce que c'est la base? Là-haut. Faut que je retourne là-bas? Non. Voilà, comme ça. C'est trop rapide ce truc, c'est trop bien. C'est très très dangereux ce qu'elle fait là. Sauter comme ça là. Où est-ce qu'il faut monter alors?
Ok, par là. Yop là. Comment elle escalade? Là, ça chauffe la corde. Il est tombé le truc. Ouah, la chance que j'ai eue. Oula. Monte tranquille. Putain, s'il faut amener tout le monde là-haut, ça va être galère pour le... pour l'autre, là. Hop. Il a l'air de pas y avoir grand monde, là. Ah si. Attendez, je vais attendre un peu. Ah merde. Mais casse-toi, putain. Oups. What the f... Oh putain, j'avais pas vu qu'ils sont plusieurs. Sérieux, moi je focalisais un mec. Le mec ne tire pas en plus. Hein. Oh putain, ils sont là aussi. Oh là là. Voilà, tranquille. C'est mieux, sans ennemis. Hop. GG. Et voilà, il y a toujours un truc pour monter. C'est fait exprès. Oh, y a rien là. Ouf, j'ai cru que j'allais la rater. La rater, Lara Croft aussi. Voilà l'entrée, je pense. Découvrez les tombeaux anciens. Oups. Oh merde. Ouf. Oh
Ok, j'ai failli tomber dans la flotte direct. Youhou, je le cache. Hop là, on va bientôt avoir une compétence en plus. Ça, c'est bon. Ah oui, là j'avais pas vu. Ah bah. Non, ça je peux pas l'atteindre encore. Après la découverte du tombeau, Léonie sont apparues. Tranquille. Ouais, les Léonie sont apparues. Oh, il y a des ennemis à proximité. Tu n'entends pas. Voilà. Il me cherchait vachement. Un petit camp. 645 d'équipement, je peux améliorer quelque chose. Sur l'arc. Non, oh putain. Non, pas l'arc. Fusil à pompe. Il me manque. Cadence de tir. Stabilité. C'est chargé. Ah ça c'est bien. C'est des chargeurs au lieu de mettre une balle par une balle. C'est plus rapide. Ok, on continue. Oh le mec s'est fait écraser là. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Fou. Au moins un truc non, qui marche. Il est bloqué. Ah, mais j'ai parlé trop vite. Oula. Ouais. C'est là que je dois aller. Ouais, je sais. Ouais. Ah ah. Wow. J'arrive pas. Ok, je suis sur la bonne voie. Je dois juste trouver un moyen de faire descendre mon charge avec plus de force. Ouais, ça. Fuck, non, c'est pas là. On peut pas y aller. Ah, par là. Il va falloir que je saute dessus. Bon, ça, on s'en fout de toute façon. C'est que des ordres. Merde, je le fais remonter. Hein. Ah, quoique, il faut peut-être le faire. Peut-être le faire monter si on peut. Non.
Oh, il monte pas plus haut. Je dois trouver un moyen de dégager le passage. Ah oui, non, c'est bon. En fait, j'ai fait de la merde là. Pourquoi l'avoir monté? Je n'en sais rien. Ah ouais. Je vais d'abord monter là-haut. Je n'avais pas vu cet endroit. Ok. Il faut enlever toutes les roues. Monter quand même. Ah, j'aurais dû monter d'en bas alors. Putain, j'ai les cheveux qui bug et du coup ça me fait laguer. Oh là là, c'est quoi ce truc? Ok, d'accord, j'ai eu un message d'erreur, désolé. Je ah non, je peux, mais il faut le faire descendre, je pense. Ouais, voilà. Voilà. Plus qu'un, et le monte-charge sera dégagé. Ah, de là, je peux le crocheter. Hop. Enfin, la piolet. Pas la crocheter. Où est-ce qu'on peut le faire, ça? C'est pas de là, hein. Je pense qu'il faut... Attendez, je vais déjà le descendre pour voir. C'est là-bas. Non, c'est plus haut. Faut trouver un endroit qui est proche d'ici. Alors... Non... C'est bizarre. Je vais monter plus haut. Là. Oui, là. Mais le problème, c'est que j'avais pas vu. Je sais pas comment monter là-bas. Vous voyez, il y a des trucs pour s'accrocher derrière là. Mais je ne vois pas trop. Là, je vais tomber là. Bon, ça sert à rien de monter là-haut. Ça sert à rien de faire ça, mais bon. Oh. T'es sérieux? Ok. Ah, si faut, c'est par là. Non, c'est par là. Ok, bon bah je fais une petite ellipse, le temps de trouver. Allez. Voilà, j'ai trouvé, je pense. Là en fait il y avait un truc à dégommer au fusil à pompe. Donc je l'ai descendu au niveau 3, je vais le faire remonter, je vais sauter dessus. Et on va passer par le trou. On essaye, hein. Ouais, c'est ça. Hop là. Et
Et voilà. C'est tellement plus facile. Et en plus j'ai un fusil à pompe. Ouais. Fuck. Ça n'a pas vraiment marché en fait. Hein. À part si c'est ça qu'elle voulait faire. Ah. Je sais pas. Ah ouais, c'était ça. Ok. Putain, les cheveux buggés là, ça en est marre. Alors, remets tes cheveux. Pourquoi j'ai les cheveux buggés? Voilà. J'essaie d'aller les tuer. Au corps à corps. Oh, t'es sérieux, là? On la crame. Hop. J'ai même pas fait exprès d'appuyer là-dessus en fuite. En fuite, en fait. Ok. Ok. C'est ici. Vu tous les abris, ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Non. Oh. Ces personnages, des guerriers, ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général. Mmh. Tu t'es fessé beaucoup. Pourquoi? Tu veux dire quoi, c'est beaucoup? Magnifique. Il manque un bout. Il y a un petit message et tout, fallait le voir. Hein. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Les gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Faut encore le tuer alors. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Ouais. Merde, j'ai pas intérêt à traîner ici. Oh merde. Oh non. Je prends une arme comme ça, c'est mieux. Oh, le bug du son. Mais d'où ils arrivent? Ok. Ah
Non mais laissez-moi. D'abord les tuer. Hop là. Ok, y a rien par là. Oula. Vite, on se barre. On a crié, c'est bien. Oh, le lag. Putain, j'en ai marre, là, c'est bugué. Hop là. Ok, on va sortir, j'espère. Ça, j'ai compris. Ah merde, je l'ai mal fait. Vas-y, sors. Voilà. Ils sont sur le ponton. Oh merde, mais tirez. Moi je prends mon temps. Ce bateau est à moi. Bande de fils de pute. Vous pouvez compter sur moi. Je vais pas vous laisser faire. Jonah, allez, où tu es? Merde. Comment on a fait pour se faire attaquer sérieusement? Où est-ce qu'ils sont? Par là-bas. Oh merde. Reyes, tu es blessé. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Ça va, c'est fini alors. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Oh, merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Elle a peut-être raison.
On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau. Ouais. Ok, Lara. Dès que tu seras prête, monte sur le bateau. Eh ben non. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez un j'aime et si vous voulez un commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!